Moi, j'entends souvent, t'es trop maniérée, t'en fais trop, t'es too much, t'es fake, t'es théâtrale. Alors oui, je suis théâtrale, je suis dramatique, bien évidemment, je suis une diva. Mais ça m'a plu, on s'est regardé toutes les deux, on est en mode, oh, girl, girl. Je crois pas qu'elle soit, elle est pas bi, Cynthia. Elle est hétéro-curieuse. T'as vécu des choses que t'aurais pas dû vivre à 4 ans? Bien évidemment. De mes 4 ans à mes... De mes 4 ans à mes 20 ans, à mes 22 ans. Bonjour Gaëlle Garcia-Diaz. Oh non, t'as pas osé quand même. Eh ben si. Oui. Tu as osé. Bonjour. Non, bonjour Juliette Marceau. Bonjour qui? Bonjour Jérôme Star. Qui? Non, bonjour Juliette Marceau, bien sûr. Non mais, tu l'as vu la comparaison à Gaëlle Garcia-Diaz? J'arrive pas à le voir, tout le monde me le dit. Je pense que ma mère adore recevoir des notifications, la pauvre, mais tous les jours, mais par centaines, quoi. Bon, c'est vrai qu'on me le dit, dans mon entourage, il y a des personnes qui me disent « ah ouais, à fond », et d'autres personnes qui me disent « ben non, après ça dépend si tu te bases sur le physique ou la personnalité, les mimiques », ça reste un compliment. Bon, en tout cas, c'est une très belle femme. Ah bah bien sûr, dans les deux sens, c'est un compliment. Juliette Marceau, nous t'avions tous découvert dans une émission de télé-réalité à laquelle tu avais participé dans les années 2010. Dans cette émission, ta particularité, c'était que tu étais somme somnambule. Mmh. Ça va mieux? Est-ce que j'ai déjà été vraiment somnambule? Je ne sais pas. je ne sais pas. T'as jamais été somnambule? Je sais pas, ou peut-être que j'ai eu une petite perte de mémoire à un moment. Il a été une fois somnambule. Ça a dû m'arriver une ou deux fois dans ma vie, effectivement, de me lever la nuit, mais rien de plus, quoi. Ah oui, donc t'es pas somnambule à proprement parler. À proprement parler, pas réellement. Ben oui, parce que, alors, je sais pas si on peut appeler ça un comeback, un retour, parce qu'en vrai, t'as fait un milliard de trucs, et on va en parler avec un contenu ultra qualitatif sur les réseaux sociaux. Depuis cette télé-réalité à laquelle t'avais participé en 2010-2011, t'avais quel âge? J'étais un bébé, j'avais 20 ans. T'avais 20 ans. Quel souvenir t'en gardes? Bah, j'en garde quand même un bon souvenir. C'était quand même une belle époque, je trouve. Ça m'a quand même donné l'opportunité de vivre une expérience unique. Après, c'est vrai que j'ai réussi à transformer ça en des choses très, très cool par la suite. Et puis voilà, donc non, globalement, c'était quand même un bon souvenir. Après, c'est vrai que sur le moment, c'était intense. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par intense? Bah, je pense que de toute façon, dans une expérience, peut jamais y avoir que du bon, tu vois. C'est normal, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est ce qui fait justement la beauté de l'expérience, quoi. C'est comme les êtres humains, on est tellement imparfaits. Comment tu veux que quelque chose soit parfait à partir du moment où on est dans cette situation-là? Alors, quels sont les défis auxquels tu as été confrontée dans cette télé-réalité d'enfermement? C'est vrai que j'ai été confrontée à des difficultés où notre santé mentale, je vais parler du moins pour moi, ma santé mentale et ma santé physique étaient mises à rude épreuve tous les jours. Tu pleurais? Tous les jours. Parfois, oui. Parfois, c'était de la colère. Parfois, c'était de la frustration. Parfois, c'était de l'indignement. Donc, il y a eu plein d'émotions différentes à gérer. Puis, pendant une période assez longue. Donc, c'était assez intense. C'était assez deep, ouais. Il y a une candidate de cette télé-réalité d'enfermement qui a pris la parole des années après sur YouTube. Elle a même sorti un livre pour parler de sa mauvaise expérience. En tout cas, qu'elle relatait avoir vécu dans cette télé-réalité d'enfermement. J'imagine que tu as vu ces extraits, tu as dû voir ces vidéos, ça t'a parlé? J'ai entendu un peu de quoi ça parlait. Bien évidemment, il y a des personnes qui sont venues me rapporter que telle personne avait tenu tel propos. Après, je pense que c'est comme tout dans la vie. On peut être deux personnes à avoir vécu la même expérience et l'une va penser bleu et l'autre va penser jaune, quoi, tu vois. C'est vraiment... c'est comment on regarde la vie, comment on l'expérimente. Bien évidemment, on n'aura pas le même ressenti sur la même expérience, tu vois. Moi, je sais que ça ne résonne pas du tout avec moi. Mais une fois de plus, moi, j'ai eu aussi une autre aventure avec d'autres personnes. Donc, voilà. Tu as gardé contact avec des anciens, je pense, à Jarko, Geoffrey, Géco, Ayem. Non. J'ai gardé contact avec Simon. Bien évidemment, j'ai gardé contact avec Daniel,
De temps en temps, avec Morgan, on va s'envoyer des petits messages, mais c'est vraiment de temps en temps, tous les ans, voire tous les 2 ans, tu vois. Par contre, s'il lui arrive un truc de cool dans sa vie, qu'il le poste en story, je vais réagir. Ça me fait toujours autant plaisir d'avoir de ses nouvelles. Et puis, voilà, globalement, c'est tout. Pourquoi, par la suite, t'as pas enchaîné les téléréalités comme les autres? Pourquoi t'as pas fait Les Anges? Pourquoi t'as pas fait L'Île des Vérités? Pourquoi t'es pas devenue la star de téléréalité que t'aurais dû être en 2011? Bah, je pense que j'avais pas envie d'être une star de téléréalité, mais j'avais envie d'être une star tout court. Et c'est un peu ce que j'ai expérimenté pendant des années dans l'industrie artistique, tu vois, puisque moi, pendant 13 ans, j'ai été comédienne, actrice, danseuse professionnelle, j'ai énormément voyagé. Et je pense que vraiment, sur le moment, c'était une expérience unique. C'était quelque chose que j'avais envie de découvrir. Mais ce n'est pas forcément quelque chose dans lequel j'avais envie de faire carrière. Et ça, je m'en suis rendu compte en sortant de ma première expérience. Donc je me suis dit, écoute-toi, tout simplement, et puis va vers ce qui t'attire et vers ce qui te fait vibrer. Et ce qui me faisait vibrer à ce moment-là, c'était la danse. Puis je pense que j'avais des choses à me prouver aussi. Mais tu aurais pu faire Les Anges avec ton projet professionnel. Je suis une danseuse. Sam. Sam. Entre nous. D'autres l'ont fait. Ouais. Oui, mais bon, une fois de plus, on est tous différents. Moi, j'ai senti que c'était pas là-bas que m'attendait mon futur, quoi. C'était un peu ailleurs. C'était dur, en vrai, de dire non, parce que j'imagine que des propositions, t'as dû en avoir à l'appel. Ah oui, bah bien sûr, non, c'est dur. T'as le physique, t'as la personnalité, t'avais la personnalité, ouais. Tu l'as toujours. Complètement. T'as la jeunesse, la candeur, la naïveté aussi, peut-être. Ouais, peut-être moins que d'autres aussi. Hein. Mais je sais pas. Après, c'est sûr que oui, c'était compliqué, parce que t'as 22, 23 ans, t'es dans le milieu artistique, et puis tu gagnes pas bien ta vie du tout. T'es un peu en galère, mais par contre, tu veux t'accrocher. T'as des rêves en tête, et t'as vraiment envie de construire quelque chose. Il faut plus de courage pour dire non ou pour dire oui dans certaines... Ça dépend des noms et ça dépend des oui. Puis ça dépend de la personne qui pose la question aussi, tu vois. Mais oui, non, là, c'était compliqué, en fait, de dire non. On t'appelle, on te propose des émissions de télé-réalité, tu vois, tout frais payé. En plus de ça, on te paye 15 000, 20 000 euros. Toi, t'es là, t'as quasiment pas de quoi payer ton loyer, tu vois. Tu galères de ouf avec des petits jobs alimentaires à droite, à gauche. Puis il y a ce truc aussi de passer au-delà de son ego et d'aller bosser, que ce soit dans des restos, dans des cafés, dans des boîtes, dans des trucs comme ça. Tu vois, retourner travailler dans un truc comme ça après la notoriété. Mais moi, je savais pourquoi je le faisais. Je le faisais pour pouvoir manger, pour pouvoir subvenir à mes propres besoins et pour pouvoir passer des castings et des auditions en danse et pour pouvoir me faire un réseau dans le milieu artistique, tu vois. T'as connu la galère après avoir participé à cette télé-réalité d'enfermement? Mais bien sûr. Quelle bien galère sûr. Bah, j'ai connu des galères, bien sûr. Après ma première expérience, il y a des moments où, oui, c'était compliqué financièrement, puisque de toute façon, j'ai voulu me concentrer à 100% sur l'artistique. Donc, il y avait des moments où j'allais signer des super contrats dans le domaine, dans le milieu artistique, tu vois, où j'allais toucher des 5 000, 10 000. Mais 5 000, 10 000, quand t'as ça un mois et que derrière, tu vas toucher des 400, 500, 800 euros par mois sur 4-5 mois, il faut être intelligente, chose que je n'étais pas. Financièrement parlant, à l'époque, tu vois. À l'âge de 22, 23 ans, j'étais pas du tout intelligente, financièrement parlant. J'avais pas cette maturité de l'argent, quoi. Tu rêvais de quoi quand t'étais gamine? Tout à l'heure, tu m'as dit, je voulais pas être une star de réalité, je voulais être une star tout court. Ouais. Est-ce que gamine aussi, tu voulais être une star tout Mais court? Depuis toute petite. À 3 ans, pendant les repas de famille, je mettais des jupes, je rajoutais des paillettes, j'allais prendre le maquillage de ma mère, je me maquillais dans la salle de bain. J'arrivais, on aurait dit, mais je sortais, je sais pas d'où. Et je me mettais à danser et je disais à qui voulait l'entendre que moi, plus tard, de toute façon, je voulais être une danseuse. Je voulais être une danseuse, je voulais être une star, je voulais être sur scène, je voulais être dans la lumière. J'ai toujours aimé l'attention, mais pas juste l'attention gratuitement. J'ai toujours aimé, en fait, faire ressentir des choses aux gens. Tu fais beaucoup d'introspection dans tes vidéos. Énormément. Tu donnes beaucoup de conseils. C'est mon métier. Je sais que c'est ton métier. Je suis dans le développement personnel. T'es coach dans le développement personnel. Donc j'imagine que cette auto-analyse, t'as dû te la faire. Est-ce que tu t'es trop même parfois. Est-ce que tu t'es posé la question et est-ce que t'as obtenu la réponse de pourquoi t'avais ce besoin d'obtenir une attention tierce? Bah parce que j'avais besoin de cette reconnaissance. J'avais besoin de sentir que j'étais reconnue, que j'étais désirée, que j'étais aimée, qu'on me voyait pour qui j'étais, que c'était ok d'être qui j'étais. Mais est-ce que c'est parce que tu n'étais pas assez aimée, désirée? Bah je le sentais pas. Je le sentais pas. J'ai toujours eu ce manque-là, ouais. Comment t'as grandi? Comment j'ai grandi? J'ai grandi avec mes parents.
J'ai grandi avec mes sœurs qui sont mes meilleures amies. J'ai une grande sœur et une petite sœur. Ça me met toujours un immense sourire sur le visage quand je parle d'elles. Et puis on a grandi. J'ai cru que j'avais grandi de manière assez paisible. Et puis c'est vrai qu'arrivée à l'âge de 17-18 ans, je me suis rendu compte en fait que ce n'était pas du tout le cas. Et c'est là que le travail d'introspection a commencé, parce que j'étais tellement malheureuse et tellement mal dans ma peau d'avoir vécu certaines choses qu'il a fallu guérir en fait. Pourquoi tu étais malheureuse? J'étais malheureuse parce que j'ai grandi avec des fausses idées. J'ai grandi avec des fausses croyances. Quelles fausses idées, quelles fausses croyances? J'ai grandi avec la fausse croyance que je suis trop ou que parfois je ne suis pas assez. J'ai grandi avec la fausse croyance que ma valeur se définissait à travers les yeux d'un homme. Donc ça te met toujours dans un état où tu quémandes. Et c'est cette attention dont je parlais tout à l'heure, pas la bonne attention. Et pour moi, il y a une bonne et une mauvaise attention, tu vois. Et puis voilà, je pense qu'il fallait que je me construise et puis surtout que je m'équipe d'outils pour pouvoir gérer mes émotions, mes pensées, la personne que je suis, chose que je n'avais pas du tout à l'époque. C'est à 17 ans que tu réalises que tu étais malheureuse? Ouais. Tu ne le savais pas avant? Non. C'est un choc? C'est un choc. C'est un choc énorme, ouais. Un choc énorme. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on découvre qu'on a toujours été malheureuse et qu'on ne le savait pas? On est en colère contre le monde. On est en colère contre le monde et puis on se met à blâmer tout le monde, en fait. On se met à blâmer la planète entière et ses parents et sa famille et c'est pas bien et ce qu'on a fait, je suis une victime. Et je pense que j'avais besoin de passer par ce stade de victime. Par contre, il faut faire attention. Généralement, quand on vit des choses, c'est important de se reconnaître victime à un moment. Mais victime, en fait, c'est une étape. Ce n'est pas un état permanent. Il ne faut pas rester coincé dedans. Je suis restée coincée, je pense, peut-être 1 ou 2 ans. Et à un moment, je me suis réveillée. Et je me suis dit, non, c'est ma vie. C'est ma vie et c'est ma responsabilité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire sinon, tu te déresponsabilises en reportant Bien ce sûr. Que tu ne souhaites pas acquiescer sur les autres. Exactement. Exactement. Donc, tu ne te remets pas vraiment en question? Bah non. Donc, tu n'évolues pas des choses, tu remets des choses en question, mais pas le fond, en fait. Mais c'est toujours c'est la faute des autres. C'est-à-dire que ça, c'est le fond. Oui. Donc, avant d'arriver au fond, il va y avoir plein de couches. Et quand tu arrives au fond, tu te dis, voilà, j'ai évolué sur toutes ces choses-là. Je me suis remis en question sur toutes ces choses-là. Maintenant, il est temps de se regarder réellement dans un miroir et de se dire, ma belle, c'est ton existence. C'est ta responsabilité. Arrête de regarder les autres. C'est toi, c'est entre tes mains. Puis tu donnes ton pouvoir aux autres quand tu fais ça. Tu donnes ton pouvoir, ton énergie aux autres. C'est toi, c'est ta vie, c'est tes décisions. Pourquoi blâmer les autres? Est-ce que ça doit passer par le don du pardon? Oui. Oh la vache. Puis en plus, moi, je suis scorpion, donc pardonner, ça a été compliqué. Il a fallu pardonner aux autres, mais surtout, il a fallu que je me pardonne à moi-même, en fait. Qu'est-ce que t'as dû pardonner, Juliette Marceau? Et je lui ai dit, écoute, ça me dira, il a fallu que je pardonne plusieurs choses. Je pense que déjà, il a fallu que je me pardonne à moi-même. Parce qu'au début, on se dit, j'ai été trahie, je me suis retrouvée dans des relations qui m'ont fait du mal, je suis trop sensible, je suis trop gentille. Non, girl, stop. Responsabilise-toi. La vérité, c'est que tu as donné l'autorisation à ces personnes, consciemment ou inconsciemment, mais ça reste toi qui as donné l'autorisation à ces personnes. Tu vois, c'était compliqué pour moi au début de poser des limites parce que je ne savais pas à quoi ça ressemblait des limites. Je ne savais pas comment on faisait. Je ne savais même pas de quoi j'avais besoin dans ma vie. Comment tu veux que j'arrive à poser des limites derrière si je ne sais pas de quoi j'ai besoin dans ma vie? Tout ça, je l'ai appris au fur et à mesure des années. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 33 ans, je me connais, j'adore ma propre compagnie. Je suis bien dans ma tête, bien dans ma peau. Mais il m'aura fallu 16 ans pour arriver à cet état-là aujourd'hui. C'est pas rien. Je peux me permettre de te demander, Juliette, quels événements t'ont conduit à être malheureuse? Est-ce qu'il y a des événements précis sur ton parcours d'enfant, d'adolescente, de femme? Bien sûr. Je pense que déjà, j'ai été sexualisée très, très jeune. Quand je dis très, très jeune, c'est à partir de l'âge de 5 ou 6 ans. Oh. Donc ça a été compliqué. Par qui? Par des personnes en général. Tu sais... Il y a une affaire en ce moment qui fait beaucoup, beaucoup de bruit sur une femme qui a été abusée sexuellement par un très grand nombre d'hommes. L'affaire Mazan. Exactement. Gisèle, qu'on n'appellera plus Gisèle Pellicot. Exactement. Et si tu veux, sur cette histoire, ce qu'on en retient, c'est que les hommes qui commettent ces actes ne sont pas des monstres, ne sont pas des... C'est des personnes de notre entourage. C'est des personnes du quotidien. C'est des personnes de notre famille. C'est des amis de nos parents, c'est des amis de nos frères et sœurs, c'est des personnes à l'école, c'est des personnes du quotidien, en fait. T'as vécu des choses que t'aurais pas dû vivre à 4 ans? Bien évidemment. De mes 4 ans à mes
de mes 4 ans à mes 20 ans, à mes 22 ans. Ah, c'est long. Ouais, c'est long. Sans rien dire. Bah non, parce que je savais pas ce qui était en train de se passer, en fait, je comprenais pas. Tu vois ? Qu'est-ce que t'as compris par la suite ? Bah, j'ai compris par la suite qu'une petite fille, normalement, bah, c'est vrai qu'on la protège, c'est vrai qu'on l'accompagne, c'est vrai qu'on lui parle de certaines choses pour qu'elle soit au courant de ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal, de ce qui est sain et de ce qui ne l'est pas. De ce qu'on montre, de donc, ce qu'on montre pas. Exactement. Donc, après, c'est des choses qu'il a fallu que je conscientise, que je digère et avec lesquelles il a fallu que je fasse la paix. Parce que je refusais à un moment donné de m'infliger une double peine, tu vois, et que ça m'empêche d'avancer dans ma vie, que ça m'empêche d'être bien dans mes relations amoureuses, dans mes relations sexuelles, puis dans mes relations tout court, en fait, dans ma relation avec moi-même. Mais tu vois, on évoquait le don du pardon. Mm-hmm. On peut pardonner l'impardonnable ? On peut pardonner quelqu'un qui t'a fait subir, je sais pas, des actes qui n'auraient jamais dû exister ? Des actes, des paroles. Enfin, tu vois, ça va de... Ça, la fenêtre, elle est assez large. Le pardon, il a ses limites. Je pense que parfois, on n'arrive pas à pardonner à l'autre, mais on se pardonne la culpabilité et la honte qu'on s'est infligée à soi-même en pensant que c'était de sa faute, en fait. C'est surtout ça. Mm-hmm. Parce qu'après, la personne en face, si on a envie de lui pardonner ou pas, ça nous regarde. C'est absolument pas une obligation pour avancer. Mais par contre, il faut se pardonner à soi-même, ça c'est sûr. Parce que ça engendre une honte, une culpabilité, une confusion terrible. Et puis surtout, ça vient planter plein de graines dans notre esprit qui derrière vont germer en fausses croyances, tu vois. Mmh. Comment t'as réagi, Juliette, quand t'as reçu ce coup de fil de la production ou d'un casteur qui, des années après, près de 15 ans après ta première participation à une télé-réalité d'enfermement, te dit... Est-ce que tu veux participer à la Villa des Cœurs Brisés ? Déjà, je l'adore, lui, c'est mon amoureux, celui qui m'a contacté. C'est vraiment un petit bibou d'amour, je l'adore. Il m'avait déjà contacté l'année précédente pour une autre émission qui a été tournée en anglais. Et comme je suis bilingue, il avait pensé à moi. C'était un peu le même style d'émission. Et puis, bah, pour X raisons, ça ne s'était pas fait. Et il me rappelle l'année d'après en me parlant de cette émission-là. Et ce qui est bizarre, c'est que je l'avais senti arriver. Je ne pourrais pas t'expliquer comment. Mais je l'avais senti arriver, ce truc-là. Je voyais des vidéos de la villa qui passaient à droite à gauche. Moi-même, j'avais des réflexions du style « Ah, ça serait marrant si on me reproposait notre télé-réalité là, dans les semaines qui arrivent. » Je l'ai vu venir, en fait, quoi, clairement. Donc, quand on m'a appelée, j'étais déjà prête et prédisposée à discuter, en fait, de cette expérience. Et ça m'a éclaté, quoi. T'as pas eu peur ? T'as pas eu d'appréhension ? Si. Au vu de ta première expérience ? Bien sûr, bien sûr. Au vu de l'expérience que j'avais eue précédemment, c'est sûr que j'avais énormément de craintes. J'avais des craintes, j'avais des peurs, j'avais des angoisses, j'avais des appréhensions. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu énormément de moments où on s'est appelé avec la prod et qu'on a discuté ensemble et que justement ils m'ont rassuré sur énormément de choses. T'avais peur de quoi ? T'avais peur de devoir te clasher ? T'avais peur de te retrouver... De te retrouver dans des séquences clichés de télé-réalité ? Non, parce que ça aujourd'hui, voilà, j'ai une certaine maturité, une certaine sagesse qui fait que je sais gérer mon image et puis surtout je sais gérer et protéger mon énergie. Ça veut dire que moi, les embrouilles, les dramas, les trucs comme ça, je peux pas, ça me coûte trop. Ça me prend trop, donc dans ces moments-là, bah, je m'éloigne. Donc généralement, à la télé, quand tu voyais des embrouilles, je suis très rarement dedans. Parce que soit je me mettais à l'écart, ou soit j'étais juste en train de faire une sieste à côté. Et oui, il faut savoir que j'ai de l'endométriose, en fait. On va en parler. Donc tu vois, la prod a été ultra bienveillante par rapport à ça. Ils ont été ultra bienveillants, surtout en fait, je les ai adorés. Je les aime d'amour, que ce soit le producteur, la directrice des programmes, ils sont tous extraordinaires. La journaliste qui s'est occupée de moi, je n'ai senti que de la bienveillance du début jusqu'à la fin, vraiment. Il n'y a pas un moment où je me suis sentie mal et que je me suis dit « je regrette d'être là, j'aurais pas dû le faire ». Comment on tourne dans un programme de télé-réalité avec de l'endométriose ? Comment on gère en tout cas sa maladie, son endométriose ? Bah déjà, je pense qu'on est ultra, ultra, ultra picky, quoi, tu vois. Tu peux pas participer à n'importe quel programme, en fait. Eh oui. Tu vois, il y a des choses auxquelles il faut que tu dises non. Parce que tout se sait et qu'il y a des productions qui ont une certaine réputation où tu sais que pour eux, les candidats, c'est juste du bétail. Ils veulent juste leur image, tu vois. Bah ça, pour moi, c'est pas possible. Et d'autres personnes vont participer à ces expériences, c'est très bien pour eux.
S'ils ont la possibilité, la santé, l'envie, la dynamique, moi je trouve ça génial, mais en tout cas pour moi, c'est pas possible. C'est quoi l'endométriose, Juliette? Alors, bah, l'endométriose, c'est une maladie qui est une maladie inflammatoire, hein, malheureusement. Et en gros, si tu veux, c'est de la muqueuse qui migre à des endroits où ça ne devrait pas. Donc, sur les ovaires, dans l'utérus, sur les intestins. Et ça crée de très fortes douleurs. Au niveau de la en fonction du stade d'endométriose que tu as. T'es à quel stade ? Il y a le stade numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, 4 étant le plus grave, et moi je suis en train de passer clairement au stade numéro 3. Ça veut dire que moi ça se balade dans l'utérus, ça se balade sur les ovaires. J'ai des kystes qui sont... quand j'ai découvert que j'avais de l'endométriose, en fait j'ai découvert que j'avais un kyste de 3 cm sur 4 accroché à l'ovaire gauche, donc c'est très souvent le cas des femmes qui ont de l'endométriose, ça se situe très souvent à gauche. Et donc, après, au fur et à mesure, j'ai travaillé avec plusieurs personnes parce que la médecine traditionnelle, moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, je me suis intéressée à des techniques un peu plus holistiques et c'est à ce moment-là, en fait, que le kyste a disparu. Et que là, maintenant, on est à peut-être 0,10 cm sur 0,8. Enfin, tu vois, c'est rien. Et par contre, les lésions sont toujours là parce que ça provoque des lésions. Donc, les effets secondaires, bah, c'est des douleurs, mais inhumaines, quant à tes règles, c'est-à-dire que tu as les mêmes douleurs qu'un accouchement. D'ailleurs, à un certain moment, ton périnée est complètement dilaté parce que ton corps croit qu'il accouche tous les mois. Donc, il faut te remuscler, en fait. Il faut faire de la rééducation. C'est des effets secondaires comme de la dépression. C'est des effets secondaires comme des changements d'humeur. Ça t'impacte ta vie en permanence. Et les gens pensent que quand on a des crises d'endométriose, c'est le moment où on a nos règles. Non, on peut avoir des crises d'endométriose à n'importe quel moment. C'est des migraines ophtalmiques, tu vois plus rien, tu es obligé de rester dans le noir. Par exemple, moi, là, il y a 10 jours, j'ai eu une crise d'endométriose pendant ma semaine de règles. Ça a été la semaine de règles la plus violente de ma vie. J'étais toute seule, il y a un moment où j'ai failli appeler le SAMU pour qu'ils viennent me chercher. Ça ressemble à quoi ? Qu'on m'amène aux urgences et qu'on m'injecte de la morphine, en fait. Parce que ça ressemble à quoi ? En fait, t'as l'impression qu'on te décroche les jambes, t'as l'impression qu'on te décroche le buste, et là, dans ce qui te reste au niveau du bassin, t'as l'impression qu'on te met des coups de couteau, en fait. C'est comme si on tirait les organes, c'est... Comment tu peux soulager ça sur le moment ? Il y a tu des conseils pas, tu ne peux pas, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement ? Il n'y a pas de traitement, malheureusement, pour l'endométriose. On propose deux choses aujourd'hui. On propose soit l'opération. Il y a des personnes qui se sont faites opérer 17 fois. Donc, et l'opération qui consiste en quoi ? À te mettre un coup de laser sur les ovaires, sur le kyste d'endométriose. Le problème, c'est que les lésions que ça a créées sont présentes, restent. Donc, les effets secondaires, tu continues à les avoir. C'est juste que tu as un peu moins mal au rein, un peu moins mal pendant tes règles. Est-ce qu'il y a des risques sur le fait d'avoir des difficultés à tomber enceinte par la suite ? Oui, oulala, bah bien sûr, la moitié des nanas qui ont de l'endométriose sévère ne sont plus fertiles, ne peuvent plus avoir d'enfants. Et c'est ça que moi je ne comprends pas en fait. Il y a soit l'option d'être opérée, soit l'option de prendre la pilule en continu. On connaît les dangers de la pilule contraceptive aujourd'hui, en continu, j'en parle même pas. Bref, donc ça touche quand même la fertilité de la femme. Ce qui touche la fertilité de la femme touche clairement le futur de notre civilisation humaine. Et on ne s'y intéresse pas. Et tu as l'impression que tout le monde s'en fout ? Tout le monde s'en fout. Quand je dis tout le monde, je parle bien sûr peut-être du gouvernement, des politiques. Monsieur le Président Emmanuel Macron avait promis il y a 2 ans qu'il allait mettre des choses en place. Non. On n'a pas de congé, ce n'est pas reconnu par l'État. Moi, j'ai essayé de toucher des aides à un moment, puisqu'on est quand même alité 1 semaine à 10 jours tous les mois. Non. Il faut prouver qu'on travaille dans une entreprise, qu'on est corporate, c'est tout un système, c'est l'enfer. On est en errance médicale aujourd'hui quand on a de l'endométriose. Et tout le monde s'en fout. Alors il y a quelques centres qui se développent aujourd'hui en Suisse, où eux, ils nous accompagnent un peu plus dans les crises d'endométriose, dans cette maladie, à trouver des solutions. Mais on n'a toujours pas de remède miracle, quoi. Et tes HPE aussi, ça je l'ai appris à la table ronde. Ouais, ça c'est haut potentiel émotionnel. Exactement. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Bah écoute, haut potentiel HPE, c'est haut potentiel émotionnel. Ouais. Donc c'est des gens qui ont un quotient intellectuel au-delà de la moyenne, mais par contre c'est des gens qui ont plus de capacité émotionnelle. Alors que HPI, c'est plus de capacité intellectuelle. Intellectuelle, émotionnelle, ça veut dire que tu vas sentir peut-être plus les émotions des autres, tu vas être un peu comme une éponge. On sent énormément les émotions des autres. Et tout le monde, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas la présence d'esprit et l'intelligence d'aller au-delà un peu des apparences, moi j'entends souvent t'es trop maniéré, t'en fais trop, t'es too much, t'es fake, t'es théâtral. Alors oui, je suis théâtral, je suis dramatique, bien évidemment, je suis une diva. Mais t'aimes le spectacle. J'aime le spectacle en même temps, on va pas me le reprocher. Mais
Mais par contre, c'est parce que je ressens les choses comme ça, en fait. Comment tu me ressens? Tu vois? Bah, toi déjà, je t'ai lu dès le début quand tu étais posée là, j'ai vu que tu stressais un peu, je vois que tu es très sérieux, donc ça t'a un peu embêté de me prendre avec un peu de retard. Ouais. Et en même temps, tu avais ce petit stress-là, mais tu essayais quand même de le gérer pour être bien et carré dans l'interview avec moi et tu repensais à ce qu'on pouvait dire et les sujets qu'on pouvait aborder. Oui. C'est comme ça que je t'ai senti quand je suis arrivée. Ouais, ok. Voilà. Ok. Et toi, tu te ressens comment? C'est intense, quoi. C'est intense, moi, il m'aura fallu des années pour avoir les outils nécessaires. Une fois de plus, je parle beaucoup d'outils, mais parce que ça nous donne une base saine dans notre vie, tu vois. Mais avant de savoir vraiment me gérer, c'était l'enfer, quoi. Et Benoît Dubois, tu le ressens comment? Écoute, moi, je pense deux choses par rapport à Benoît Dubois. Déjà, je pense qu'il faut prendre les gens tels qu'ils sont. Faut pas chercher à les changer. Ah ben, ça veut dire quoi, ça? Je pense qu'il est assez évident. Je pense qu'il est assez obvious sur la personne qu'il est, tu vois. Mais qui il est? Bah, c'est-à-dire cette personnalité un peu extra, tu crois que t'es pote, et puis derrière t'entends qu'il a parlé sur toi, des trucs comme ça. À partir du moment où tu sais qu'il est comme ça, il faut le prendre comme ça, ou alors faut pas être pote avec lui. Ça sert à rien de changer mais les mais parce gens. Qu'il y a des spéculations sur les réseaux sociaux, et si t'as rigolé, c'est parce que t'as su où je voulais en mais venir, oui, t'as dû mais les voir. Parce que forcément je fais des lives, on vient me rapporter des trucs. Beaucoup pensent que vous êtes en brouille avec Benoît Dubois. Ah bon? Ah bah pas du tout. Non, écoute, je vais être honnête avec toi, Benoît, on a eu une super expérience ensemble. C'était génial cette aventure, j'ai été heureuse qu'il soit là. À plein de moments, ça m'a fait du bien, c'était une soupape de décompression. On se retrouvait tous les deux, on se mettait à rire comme des imbéciles, on pleurait de rire, ça nous faisait du bien, c'était notre petit moment où on relâchait la pression, en fait, tu vois. Et puis après, oui, c'est vrai que bah, depuis que je suis sortie de cette émission, j'ai pas énormément de nouvelles de lui, on s'appelle pas, on s'envoie pas de messages. Par contre, ça me fait plaisir de voir ses stories sur Instagram, de voir qu'il va bien, de voir qu'il a passé un bon été. Et après, ce qu'il a envie de raconter, c'est ce qu'il a envie de raconter, c'est son problème. Si je devais me responsabiliser pour tout ce que les gens ont envie de raconter sur moi... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a raconté? Ah, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a été rapporté? Bah, je sais pas. Dans tes lives, dans tes lives. Attention, ils vont le dire dans les commentaires. Ouais. Non, mais dans mes lives, tu vois, il y a des gens qui viennent me dire, bah, on a regardé l'émission. Pourquoi, par exemple, à un moment, il y a Benoît et Vincent qui disent, bah, tu fais bien semblant d'aimer Juliette, tu peux bien faire semblant de ceci. Et Benoît qui dit, c'est vrai, t'as raison. Pff, ça me passe au-delà, quoi, tu vois. Ça me passe au-dessus, tout ça. Je sais que j'ai eu une bonne expérience avec lui. Je sais que j'ai partagé des trucs cool. Ça, c'est ma version à moi. Tu vois ce que je veux dire de cette expérience, de cette aventure? Ça me suffit, en fait. Et pourquoi l'amour, tu n'y crois plus? Alors, écoute, je pense que l'amour, je n'y crois plus. Je vais quand même ajouter un peu de précision. C'est l'amour hétérosexuel, en fait. C'est les relations hétérosexuelles. Ou moi, c'est vraiment compliqué. Donc, en fait, la vraie problématique, ce serait l'amour hétérosexuel, je n'y crois plus. Mmh. Pourquoi? Bah, parce que moi, quand je suis en relation avec des femmes, je n'ai pas du tout les mêmes problèmes que j'ai eu et que j'ai quand je suis en relation avec des hommes. T'es autant attirée par une femme que par un homme? Ah oui, bien évidemment. Sexuellement? Je suis même plus attirée par les femmes que par les hommes. C'est le corps d'une femme ou le corps d'un homme qui va te stimuler plus? Le corps d'une femme. Non, clairement. Ouais. Ah ouais, clairement. Et cérébralement? Bah, une femme ou un homme? Bah oui, bien sûr. Écoute, je me suis réellement posé la question à un moment donné. Est-ce que je suis vraiment bisexuelle ou est-ce que je suis pas juste une femme lesbienne qui a été conditionnée par une société patriarcale à croire en fait qu'elle aime les hommes parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués. Et en fait, je me suis rendu compte d'ailleurs que non, j'aime avoir une relation avec un homme, une relation amoureuse, une relation sexuelle. Mais par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué avec un homme qu'avec une femme, quoi. Mais qu'est-ce qui est plus compliqué? Bah, c'est plus compliqué parce que souvent, avec un homme, il ne faut pas gagner plus que lui, il ne faut pas avoir plus confiance en soi que lui, il faut avoir l'air d'une petite chose fragile. Et moi, je n'ai pas envie d'être une petite chose fragile. Moi, je suis une femme forte qui a du caractère, j'ai de l'ambition, j'ai des rêves, je sais ce que je veux, je n'ai pas peur d'être autoritaire, je n'ai pas peur de dire non, je n'ai pas peur de demander ce que je veux. Donc moi, j'ai pas envie de jouer un rôle d'une personne que je ne suis pas pour satisfaire l'idéologie en fait, d'une personne, quoi. J'ai pas envie de ça. Et ça met déjà énormément de freins dans une relation avec un homme. En parlant d'homme, je vais te parler de Vince. Ah, mon petit Vince. Attends, Vince. Vince, mon crush du début de la villa. Vince consentement. Vince, petit doudou d'amour, ça. On se croirait sur Google, les mots-clés. Je te propose. Wikipédia. Je te propose de regarder un extrait vidéo qui a fait beaucoup parler. D'accord.
Est-ce que j'ai ton consentement pour te toucher, établir un contact physique avec toi? Tu as totalement mon consentement pour me toucher, et je t'invite à le faire. Et est-ce que j'ai ton consentement pour te toucher? Tu as mon consentement, Vince, merci de demander. Je sens que la communication, elle tu est... Tu as tout à t'as vu comme elle est fluide? J'avais envie de savoir si tu m'autorisais à t'embrasser. Est-ce que ça t'a surpris qu'ils te posent cette question-là? Est-ce que t'as compris que cette séquence, que ces séquences, elles ont fait autant de débats sur la place publique des réseaux sociaux? Alors, j'ai extrêmement apprécié qu'il me parle de consentement, qu'on se parle de consentement, parce que c'est la base. Et le fait que ça ait fait autant de bruit sur les réseaux sociaux, bah, ça en dit long sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui, en fait. Le consentement, c'est la base, les gars. Mais pour tout, que ce soit le consentement avant d'embrasser quelqu'un, le consentement dans un rapport sexuel, le consentement avant d'appeler une copine pour lui raconter tous tes malheurs parce qu'elle n'a peut-être pas l'espace mental disponible et nécessaire à ce moment-là. Enfin, le consentement, on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on s'étale trop les uns sur les autres en permanence, quoi, tu vois. Donc le consentement, c'est important. Est-ce que j'ai été surprise qu'il m'ait demandé si on pouvait s'embrasser? Oui, parce qu'il n'y avait pas le feeling, et non, parce qu'en même temps, c'est sa problématique. C'est-à-dire que lui, il s'emballe toujours trop vite en amour. Donc, ils ne l'ont pas montré à l'image, mais il s'est aussi mis à genoux à ce moment-là en me demandant en mariage. Donc, sur le temps de la plaisanterie, mais tu vois... Mais est-ce que... tu vois, est-ce que dans tous tes dates que t'as fait au cours de ta vie, ouais, t'as un mec ou une nana en face de toi qui t'a dit « Est-ce que je peux te toucher le bras ?» J'ai déjà eu des dates où la personne me dit « Est-ce que ça te dérange pas si je me rapproche de toi? Est-ce que ça te dérange pas si je te prends par le bras? Est-ce que c'est ok pour toi si je te prends dans mes bras ?» Je trouve ça tellement hot, tellement sexy. Ah ouais, ça te fait craquer, ça te fait craquer. Mais parce que je me sens en sécurité, je en comprends. Fait. Je me sens safe avec quelqu'un de responsable, avec quelqu'un qui me demande mon consentement. Après, si le mec, on est comme ça et que je te regarde... avec des yeux qui crient « Bébé, fais-moi des enfants », bien évidemment, bien évidemment, t'as pas besoin de me demander mon consentement à ce moment-là, mais là, c'est pas le cas. Donc, à moins qu'on se retrouve avec une fille qui est en mode oh, « Please, like, j'en peux plus, j'ai envie de t'embrasser », ça, ça se voit. Et le problème, c'est que des mecs, parfois, les mecs aussi l'interprètent mal. Ah bah donc tiens. C'est pour ça que c'est important. Et bah tu vas me dire si t'estimes que Patrick l'a ouais. mal interprété ah. sur ses réseaux sociaux. Ah. Regarde, Juliette. Qui demande ici à embrasser une personne? Sérieusement? Donc toi, t'es là, t'es en date, bah, t'es face à quelqu'un, en prison, tu sens un feeling, et le premier truc que tu fais, si tu la prends, est-ce que tu m'autorises mais non, mais, à avoir la permission que là, moi, Vince, quatrième du nom, non, mais... puis-je déjà te prendre la main pour que je puisse t'embrasser? Que nos lèvres se touchent, sans larmes, jusqu'à peut-être même y mettre ma langue au fond de ton gosier et peut-être mes mailles. Oh que oui, j'en ai envie. Mais je vais me retenir, parce que je te demande la permission. Mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Est-ce que, honnêtement, quelqu'un vous a déjà demandé et est-ce que vous trouvez ça bien qu'un homme demande bah, un homme, oui. un homme oui, un la homme. Base un mâle alpha, la il base. Prend le lead. La base, une femme préférait être dans une forêt avec un ours qu'avec un homme. Bien évidemment qu'un homme demande. Et quand je t'ai dit les hommes l'interprètent mal, je crois qu'on s'est mal compris. Quand je dis parfois les hommes l'interprètent mal, je parle plus de notre énergie en fait, nous les femmes. C'est-à-dire que dès qu'on va être gentil, ça y est, elle est intéressée. Bah non. Parce qu'on a juste envie d'être avenante et cordiale avec les gens avec qui on échange. Donc les signaux sont mal interprétés. Donc il y a vraiment les signaux où il faut arrêter de croire que quand une nana est gentille avec toi, c'est qu'elle a envie de te pécho ou que t'as tes chances. Par contre, une nana qui est là, qui cherche ta compagnie, qui cherche à te toucher, qui est là, qui te fait des grands sourires, qui se blottit contre toi, qui te regarde comme ça, qui te fait comprendre dans ses propos qu'il y a un truc, qu'il y a une connexion, que machin, que oui, bien sûr. Après, ça fait pas de Patrick un mec qui respecte pas le consentement, parce que je t'ai vu rire. Oui, alors là, j'étais pliée en deux, mais parce que Patrick, je le connais et qu'il est extrêmement théâtral aussi, là, un peu comme moi. Bah, Patrick, il est HPI, tu vois. HPI, au potentiel intellectuel. Moi, je suis HPE. HPI, c'est un plus, ça a plus un côté un peu autiste. Et HPE, ça a plus un côté bipolaire. Tu vois, du coup, l'émotion, machin. Donc, ça m'étonne pas du tout qu'ils fassent des vidéos comme ça, tu vois. Non, mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, après, Juliette, c'est la base. C'est vrai que c'est la base. C'est que cette séquence, en vrai, ouais. elle permet de parler de quoi? Bah, elle permet de parler du consentement, en fait. Donc, c'est important. On a besoin, dans notre société, d'avoir des gens qui ont des pensées qui diffèrent à partir du moment où ça ne porte pas atteinte à la liberté et à la dignité d'autrui. Mais on a besoin de ça, on a besoin de débattre. C'est juste qu'il y a des personnes qui ne savent pas débattre et qui prennent tout personnellement et tout à cœur, mais on a besoin de ça.
On a besoin de ça. Puis moi, je suis extrêmement intéressée par la philosophie depuis mes 18 ans. C'est quelque chose que je mets énormément aussi dans mes coachings, dans mon métier, dans tout ce que je fais. Donc c'est important, il faut relativiser. Il faut regarder les choses d'une manière qui diffère de celle dont on a l'habitude de les regarder depuis des siècles. L'âge, c'est un détail aussi quand on rencontre quelqu'un. Tu sais à qui je fais référence ? Tout à fait. À Celso ? Ah oui, bah oui, mon petit daddy Sussu, là. Tu parles de cheveux poivre et sel ? Ah bah moi j'adore tout de suite. Là moi je rencontre un mec, Celso ou un autre, hein, mais Celso en fait partie. Je rencontre un mec qui a la quarantaine, 40, 45, 50, qui a les cheveux poivre et sel. Le matin il met son costard pour aller bosser là. Parce qu'il bosse dans une banque, dans la tech ou dans la finance. Il est hyper sécure. Il fait des trucs de ouf pour te faire plaisir. Il a aucun problème à te mettre en avant, à te mettre en lumière. Il est pas jaloux. Il veut que tu sois heureuse, il veut que tu sois bien. Il fait passer son plaisir, il fait passer ton plaisir avant le sien. Enfin, qu'est-ce qu'on se fait chier avec les autres, quoi, tu vois, franchement. Ouais, mais Daddy Sussu m'envoie des messages, il me dit tu fais quoi la semaine prochaine? Fais ta valise, je t'emmène à Deauville, t'as besoin de te reposer, je t'emmène au spa, enfin tu vois, on va faire une cure thermale. Les autres c'est quoi à part des prises de tête, sérieusement? Tu vois, donc ouais, moi ma DA c'est vraiment le Daddy Sussu, quoi. Cynthia parfois elle peut être prise de tête, non? Ou prise Cynthia, de bouche. Cynthia en fait c'est une conséquence, ça veut dire que Cynthia c'est vraiment le symptôme d'une conséquence. Et la conséquence en question c'est la conséquence d'une source. Et quand je parle d'une source, je parle d'un mal-être. Ça veut dire que Cynthia, ce qui lui est arrivé dans sa vie et sa problématique dont elle a parlé à la table ronde, ça l'a tellement fracassée, tu vois. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais avoir ton modèle maternel qui s'effondre comme ça devant tes yeux quand tu es adolescente, ça te bousille en fait, ça t'amène à croire des choses sur toi et sur les autres qui ne sont pas vraies. Et c'est pour ça que je l'aime d'amour et que je l'aime mais inconditionnellement, cette femme, et que je suis là pour elle hier, aujourd'hui et demain, parce que je vois qui elle est en fait, et je vois le fond qu'elle a. Je vois que c'est une personne extraordinaire, mais je vois qu'elle a été giflée par la vie. Et des personnes comme ça, j'en connais plein, moi la première, donc c'est des gens pour qui j'ai de l'empathie, tu vois. Mais comment vous en arrivez à échanger un baiser en soirée tentation? Mince, là je peux plus être que sur le côté humain, spirituel, non. Là, t'es sur le côté physique, pulsion, ouais. Attirance peut-être, écoute, je sais pas. Déjà, c'est pas la première fois que j'embrasse mes copines, tu vois. Après, c'est vrai que ça peut porter à confusion parce que j'aime les femmes, etc. Mais là, pour le coup, je crois qu'avec Cynthia, on s'est regardé, on était dans un jeu de action ou vérité ou de je sais plus trop quoi ce que c'était qu'on faisait pendant la soirée Tentation. Et voilà, on s'est laissé porter un peu par l'énergie. Mais surtout, quand je l'ai regardé, en fait, j'ai vu que c'était un jeu. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, c'est cool, on est toutes les deux sur la même longueur d'onde, ça nous a fait plaisir. On s'est roulé une vraie galoche en plus. Bah oui, je sais. Je l'ai vu à l'écran, je suis en mode, ah ouais, hot. Ça lui a plu? C'est hot, ah bah ça lui a plu, ça m'a plu, on s'est regardé toutes les deux, on est en mode, oh, girl, girl. Je crois pas qu'elle soit, elle est pas bi, Cynthia. Elle est hétéro-curieuse. Qu'est-ce que t'entends par hétéro-curieuse? Elle est hétéro-curieuse, c'est-à-dire qu'elle est attirée par les hommes, elle aime être en relation avec des hommes, elle se voit faire sa vie avec un homme, elle voudrait avoir des enfants, etc. Mais par contre, c'est le genre de personne qui pourrait avoir une relation sexuelle avec une femme à un moment. Tout le monde peut potentiellement être hétéro-curieux un jour? Bah, moi, je suis convaincue que tous les gens sont hétéro-curieux. Je suis même convaincue que la moitié des hommes hétéros sont gays et qui sont complètement dans le déni. Quand t'arrives pas à aimer une femme correctement et quand t'arrives pas à respecter une femme correctement, c'est juste parce que tu n'aimes pas les femmes. Tu n'aimes pas les femmes, tu aimes les hommes. Faut juste se l'avouer à soi-même, faire son coming out. Et donc ce non-respect serait quoi? Une forme de colère, en fait, quelque part, par rapport à un déni, c'est ça? Bien sûr. Pourquoi? Mais parce que quand on dénigre la femme comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de sous-jacent. C'est jamais gratuit, en fait. La diversité comportementale de l'individu fait que ça n'est jamais gratuit. Donc pour toi, c'est toujours justifié. Un homme qui dénigre perpétuellement des femmes est un gay refoulé. Mais 100%. 100%. Alors il y en a plein dans la télé-réalité, hein. Ah ben bien sûr, mais si tu savais ce que je sais, Sam. Si tu savais ce que je sais, je suis scorpion, je travaille pour le FBI, j'ai des dossiers sur tout le monde à Paris. Donc, je te le confirme. Je te le confirme. Bah, en attendant, la télé-réalité est quand même... C'est un genre télévisuel qui est vachement destiné aux hétéros. Dans l'ensemble. Oui, parce qu'il y a ce côté un peu cliché. Et puis parce que la télé-réalité, il ne faut pas oublier que ça représente la réalité de la vie, en fait.
C'est des gens comme j'en vois tous les jours. C'est juste que c'est des gens qui ont le courage et l'envie de se faire filmer et de montrer qui ils sont et de prendre le risque de se faire juger derrière et de se manger des vagues de haine pour X raisons. Soit qu'ils sont, soit qu'ils ne sont pas. Mm-hmm, bien sûr. En fonction de ce qu'ils veulent donner ou pas. Exactement. Donc ça représente en fait la société dans laquelle on vit. Donc c'est normal qu'il y ait ce côté un peu cliché, un peu macho. Et alors la nudité. Parle-moi un peu de ton rapport à la nudité. Je sais que t'adores être nu. Je suis tout le temps à poil. C'était l'émission Adam et Ève qu'il fallait faire. En fait, mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 16 ans. Et après, j'ai vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment grandi avec ma mère et mes sœurs. Mais même déjà avant, famille de femmes. Donc pour moi, c'était normal. Ma sœur, elle sortait de la salle de bain. Moi, je rentrais. On se croisait. On était toutes les deux à poil. On a toujours eu une aisance par rapport à ça. Et aussi parce que ma maman a bien fait les choses de nous éduquer aussi avec cette... cette absence de gêne, pas cette absence de pudeur en général, mais cette absence de gêne entre nous, c'est-à-dire qu'on était bien avec nos corps. Ma mère, elle nous a toujours répété, il faut être bien avec son corps, c'est ton corps, ça t'appartient, t'en fais ce que tu veux. Donc même si ça a été un peu compliqué au début de ma vie, j'ai su quelle direction prendre pour me réapproprier mon corps entre mes 20 et mes 25 ans, parce que ma mère m'avait déjà montré le chemin, en fait. Te raser le crâne et le montrer sur les réseaux sociaux, c'était une façon de te réapproprier ton corps? C'était une façon de dire... C'était une Britney. Ouais, j'ai fait une Britney de ouf. Ça, c'était vraiment le moment où j'ai dit, mais c'est fini, je rentre dans ma vilaine era, quoi. Ça suffit. J'en ai fini de satisfaire les gens. J'en ai fini d'être un people pleaser. J'en ai fini de demander la validation à qui que ce soit. À partir de maintenant, je vais faire les choses pour moi, par moi-même et basta. Donc c'était hyper symbolique. C'était hyper symbolique. Et puis même d'être une femme et de channel un peu sa féminité en ayant la tête rasée. D'ailleurs, j'avais tellement peur au début qu'avant de me raser la tête, je suis allée me faire poser des extensions de cils, mais des trucs immenses, complètement dramatiques. Et j'avais des ongles, mais longs comme ça. Et après, quand je me suis rasée la tête, au bout de 2-3 semaines, je me suis bien rendu compte que je pouvais m'en débarrasser, que j'en avais absolument pas besoin, que j'étais mais iconique. Comment tu l'as vécu? Mais je l'ai trop bien vécu. J'y repense tous les jours. Tous les jours, je fais ça de me raser la tête. Mais en quoi elle change la vie? Est-ce que t'as noté des changements le regard même des gens? Mais oui, alors déjà avec moi, c'est un gain de temps, un gain d'énergie. Ensuite, je me regardais tous les jours dans le miroir, je me trouvais badass. Dès que j'avais un mental breakdown et que je passais devant le miroir, je me disais, mais girl, comment tu peux avoir un mental breakdown? T'as la tête rasée! T'es iconique, let's go, yalla en fait. Et après quand je me baladais dans la rue, alors ça j'adore trigger les gens. Parce que de toute façon c'est ma nature. Donc à un moment donné j'ai appris à l'aimer. Et aujourd'hui j'adore ça, je préfère adorer ça plutôt que ça me fasse du mal et que ça me coûte, tu vois. Donc quand je sortais et que je voyais des mecs complètement hétéros, complètement machos, complètement clichés, et qui me regardaient en mode, mais comment ça se fait que je suis attirée par une meuf comme ça? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que ça dit de moi? Et je voyais la confusion dans leurs yeux à ce moment-là, c'était jouissif, quoi. Donc ouais, non, le regard des gens change. Il y a ces mecs-là que tu vas venir perturber, puis il y a des meufs dans la rue qui te regardent en mode, yes girl, girl power, tu vois? Donc ouais, non, mood. Donc super mood, en fait. Tous les jours, j'ai envie de le faire, Sam. Tous les jours, j'ai envie de le faire. Là, je suis allée chez le coiffeur hier. Je me suis fait belle pour toi. Je suis allée faire un petit brushing et j'ai coupé les pointes, tu vois. Et je lui ai dit d'ailleurs à mon coiffeur, ça fait 6 ans qu'il me suit. C'est lui qui me fait toutes mes coupes, tous mes trucs. Il me dit, plus jamais on se rase. J'ai dit, j'y repense tous les jours. Tu m'étonnes qu'il ne veuille pas. Mais en tout cas, c'est cool. Moi, je suis hyper contente de cette interview parce que, juste pour être complètement transparent et tout vous dire, mais ça s'est fait la veille pour le lendemain. Hein. Complètement, ça fait hier soir. On se court après depuis quelques semaines. On se court après depuis quelques semaines. En fait, je t'ai envoyé un message que tu n'as pas compris. J'ai pas compris. Que tu as dû mal lire. Non, ou quoi. J'ai pas compris que tu partais en Espagne, quoi. Et en fait, tu m'as renvoyé des messages là. Et je te dis, en fait, je ne suis pas disponible. Je pars samedi, mais m'installer en Espagne. Définitivement. Et toi, tu me dis, du coup, je ne sais pas. En fait, peut-être que je vais revenir à Paris 2 semaines ou 2 mois après, mais aucune idée, en fait. On ne sait pas. Ce qui va se passer dans le futur. Et toi, tu me dis, oui, si tu veux, on peut s'appeler pour voir quand est-ce qu'on peut s'interviewer, mais pas cette semaine. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris l'ADA, en fait. On a réussi à trouver un créneau. Et qu'est-ce que je regrette pas? Qu'est-ce que je regrette pas vraiment? Intéressant. Merci pour cette interview. T'es d'une générosité incroyable. Avec plaisir. Mais vraiment, tu as une énergie incroyable. Merci beaucoup. Voilà, et qui fait du bien. Et qui aujourd'hui, voilà, c'est un vendredi aujourd'hui où on tourne. Et tu illumines mon vendredi. Oh, chérie, voilà. Mon amour. Merci. C'est réciproque. Merci. C'est réciproque. Voilà. Vraiment. Tout simplement. Bonne vibes, bonne énergie. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ouais. Vas-y, la cam, elle est juste en face. Tu peux les balancer. Qu'est-ce qu'il faut taper pour te retrouver sur l'ensemble des réseaux? Globalement, si vous tapez
Juliette Marceau, vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux, mais alors moi, mes plateformes principales, c'est Instagram et TikTok. Et généralement, c'est The Real Duchesca, mais après, je suis certifiée sur Instagram, donc vous pouvez facilement me trouver, puis vous allez vite reconnaître ma tête. Donc voilà, je vous dis à très très vite, les petits soucis d'amour. Merci Juliette, merci à vous d'avoir suivi cette interview. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences, vous l'avez vu, hein, en toute intimité. Bye bye.